Agression rwandaise en République démocratique du Congo, l'armée congolaise poursuit sans complice pour haute trahison, participation au mouvement insurrectionnel et association des malfaiteurs. Des cultes d'action de grâce et des marches de soutien aux femmes de l'Est ont été organisées hier à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de droits de la femme. Vous aurez les détails dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ballet diplomatique hier à la vice-primature de la Défense nationale et ancien combattant, le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba Gombo a reçu tour à tour l'ambassadeur du Royaume de Belgique et celui de la République fédérale d'Allemagne. Plusieurs points, notamment la situation sécuritaire dans l'est du pays, mais aussi le partenariat auquel est engagé le Royaume de Belgique, dont le domaine des défenses était au centre des échanges entre le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo et l'ambassadrice du Royaume de Belgique, Roxane Bilderling. La Belgique soutient les FRDC par toute une série de mesures et programmes de coopération. Le vice-premier ministre nous a expliqué un peu comment les choses se déroulaient et les défis auxquels la RDC est confrontée, évidemment, avec ses offensives du M23 et des troupes rwandaises. Il y a d'abord la formation d'une brigade de réaction rapide qui se passe à Kindu. Vous avez aussi le renforcement de l'académie militaire à Kananga, qui est une académie qui a une histoire assez longue aussi dans le partenariat avec la Belgique. Et aujourd'hui, on relance les échanges avec l'École royale militaire en Belgique. La situation sécuritaire dans l'est du pays est une violation de la souveraineté de la République démocratique du Congo. C'est la position de l'ambassadeur d'Allemagne, Hugo Herbert, à l'issue de son entretien avec Jean-Pierre Bemba Gombo, vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale et ancien combattant. On voit que le M23, particulièrement au moment, avec le soutien de l'armée rwandaise, et au fond de cette crise, avait abordé cette situation qui est une violation de la souveraineté de la RDC. Les interventions du gouvernement allemand en faveur des populations de l'Est de la RDC sont visibles en ce qui concerne l'aide humanitaire, la stabilisation et le développement. Comme annoncé au début de ce journal, l'armée congolaise poursuit sans complice pour haute trahison, participation au mouvement insurrectionnel et association de malfaiteurs. Eh bien, ils ont été présentés hier à la presse. Pendant que la République démocratique du Congo fait face à la guerre d'agression perpétrée par le Rwanda et ses pantins du M23 pour semer la mort et la désolation dans la population et déstabiliser les institutions de la République, certains compatriotes, acteurs politiques de leur État, ne cesse de trahir la patrie. Un échantillon de 4 présumés complices des Rwandais et des terroristes RDF M23 exerçant des actions d'espionnage ont été appréhendés à Goma grâce à la collaboration de la population du Nord Kivu. Acheminés à Kinshasa, ils ont été présentés à la presse le vendredi 8 mars 2024. Ces ennemis de la paix ont un leader, les nommés Kibuya Sabini Hop. Ces derniers recrutent à partir de Goma pour le compte des groupes armés M23-RDF. Cet ancien député provincial recrute à son tour Uonga Mafukulu Cyril, ancien conseiller en tourisme et environnement au gouvernorat de la province du Nord Kivu. 2 des 4 individus ici présents ont un dénominateur commun. Ils sont tous députés provinciaux du Nord Kivu de la législature passée, pour les comptes du parti politique Ensemble pour la République. Le troisième est un moto-taximan à leur service et le quatrième est un conseiller expert en tourisme au gouvernement provincial du Nord Kivu, neveu de l'un des députés provinciaux et recruté par ce dernier. Toutes ces personnes présentées par les services de la DENIAP sont accusés de haute trahison. Ils sont mis à la disposition de la justice.
la situation sécuritaire dans l'est du pays, les manifestations des jeunes à travers le pays dénonçant le silence de la communauté internationale ainsi que les mémorandums d'entente signés entre l'Union européenne et le Rwanda. Ces sujets étaient au cœur des échanges entre le président de la Commission nationale de droits de l'homme et l'ambassadeur de l'Union européenne. Vice-présidente de la CEDEAO. Les questions relatives aux droits de l'homme intéressent au plus haut point la RDC ainsi que l'Union européenne. Nicolas Barlanga, nouvel ambassadeur de l'Union européenne en poste à Kinshasa, et Paul Sapou Mokoulou, président de la CNDH, ont fait le tour d'horizon de la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo, particulièrement dans l'Est, où l'activisme des groupes armés écrase toutes les règles des droits humains. À l'occasion, Nicolas Barlanga s'est expliqué sur l'épineuse question relative au mémorandum d'entente signé entre l'Union européenne et le Rwanda. Moi, je trouve que qualifier la position de l'Union européenne de la manière que vous venez de dire, c'est inexact. Mais je profite de cette occasion pour réitérer que dans le contenu de toutes ces décisions, il y a une vision régionale pacifique des concordes entre les peuples dans la région des Grands Lacs. Et on a discuté sur la position de l'Union européenne par rapport à la sortie de cette crise que, comme probablement vous avez vu lors de notre récente déclaration, on prend en faveur d'appuyer les processus de Luanda et de Nairobi, donc les processus régionaux en faveur des dialogues et à chercher une solution consensuelle. Et aussi à la demande faite aussi dans la déclaration de l'Union européenne pour la retraite des troupes rwandaises sur le sol congolais, et l'arrêt d'appui au mouvement Mbandou. L'Union européenne tient à renforcer sa collaboration avec la CNDH pour la promotion et la protection des droits de l'homme. Célébration journée internationale de droits de la femme. C'était hier, des cultes d'action de grâce et des marches de soutien aux femmes victimes d'agressions rwandaises dans l'est du pays ont été organisés à travers les 26 provinces du pays. À Goma, où séjourne la ministre du Genre, Famille et Enfants, Mireille Massangou, aux côtés des autres femmes, toutes vêtues en noir, a martelé sur la valorisation de l'éveil de conscience des femmes et la promotion de leur rôle en tant qu'actrices du changement. Une journée du 8 mars, pas comme d'ordinaire, à Goma, dans le Nord Kivu. La salle Serena Hôtel de Goma a refoulé du monde, en majeure partie, les femmes venues de plusieurs horizons en signe de solidarité avec la population de l'Est et de la RDC, victime de la guerre injuste imposée par le Rwanda à travers ses supplétifs du M23. En marge de cette célébration, la ministre du Genre, Enfants et Famille, Mireille Massangoubi Bimuloko, accompagnée d'une forte délégation, a fait montre d'une compassion fraternelle. Comme à Kinshasa et partout à travers la République, cette journée a été célébrée dans une attitude de deuil. Les femmes et hommes, vêtus en tenue noire, ont manifesté leur soutien à la population de l'Est. Nous devons, en tant que femmes, nous impliquer dans la recherche de la paix pour ne pas se considérer toujours comme des victimes, mais aussi comme des actrices de changement. Rôle que la résolution 1325 des Nations Unies confère à la femme. La patronne du genre, Mireille Massangoubi Bimuloko, a insisté sur la nécessité de créer des bonnes conditions d'émergence de la femme, dont la paix, la sécurité et surtout favoriser son autonomisation. Le vice-gouverneur du Nord Kivu a pour sa part réconforté la femme congolaise dans sa quête pour l'effectivité de la parité. En tant que partenaire de la RDC, l'ONU Femmes Goma, par les billets de sa représentante provinciale, Aurélie Ndioué, a salué l'essence des collaborations entre la RDC et les systèmes des Nations Unies, particulièrement entre l'ONU Femmes et les ministères du genre Enfants et Familles en RDC.
Ici à Kinshasa, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde et les autres membres du gouvernement ont assisté à un culte d'action de grâce organisé en la cathédrale protestante du Congo. Placé dans le contexte de la guerre dans l'est de la République démocratique du Congo, où la femme et la jeune fille payent un lourd tribut face aux atrocités, la journée mondiale des luttes pour le droit des femmes en République démocratique du Congo a été une occasion d'implorer la miséricorde des dieux face à cette guerre injuste, mais également un éveil de conscience de tous les Congolais qui doivent se mobiliser comme un seul homme pour défendre cette cause noble. Exhortation de l'officiante du jour qui a tiré son message du livre d'Esther, comme pour dire que celui qui place sa confiance en Dieu n'est jamais déçu. Et je crois que les défis de prière qui ont été donnés ici seront entendus pour que finalement le bruit des bottes cesse dans cette partie de la République démocratique du Congo, mais partout ailleurs aussi où nous vivons la violence. Ensuite, encouragement à son Excellence Monsieur le Président de la République pour sa lutte pour la femme. Comme on le dit si bien, il est le symbole de la masculinité positive. Et je pense qu'à ce titre, il mérite d'être ovationné. Toujours présent pour défendre la cause de la femme, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge a représenté le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la cathédrale du centenaire ce vendredi 8 mars 2024. Les femmes et les filles méritent honneur et tous les droits possibles, car tout être humain est issu de la femme. Louange et intercession ont fait place aux allocutions de la société civile qui demande à la communauté internationale de rompre avec les silences et d'agir comme cela a été le cas en Ukraine, comme partout ailleurs où il y a eu des guerres. Catherine Katungu-Fora, représentante de la ministre du Genre, Famille et Enfants, est revenue sur les efforts fournis par les gouvernements pour la promotion de la femme et de la jeune fille sous l'impulsion du chef de l'État, champion de la masculinité positive. Une collecte de fonds a été faite pour soutenir les victimes de la guerre imposée à la République démocratique du Congo par le Rwanda. Plusieurs personnalités ont rehaussé de leur présence ces cultes œcuméniques, parmi lesquels la directrice générale de la radio-télévision nationale congolaise, Sylvie Elengenimbo. À la fin de ce culte d'action de grâce, quelques femmes ont réagi au micro de nos reporters. Au culte écuménique à la cathédrale du centenaire ce vendredi 8 mars, journée mondiale des droits de la femme, la tenue vestimentaire dominante était les noirs. Quel est le sens donné au port de cette couleur? Le révérend Ejibayama Pia explique. Habillé en noir, c'est montrer au monde entier que ce mois de la femme en République démocratique du Congo se déroule en signe de tristesse à cause de la guerre de l'Est. Cette guerre injustement imposée par le Rwanda avec ceux qui le soutiennent. Et c'est là que nous disons, le mois de la femme, investir dans la femme pour le développement, comment cette femme violée, cette femme attristée, cette femme en déplacement avec sa famille, on va investir là où elle est en bourse, on va investir à l'hôpital où elle se trouve. La cause de la femme et de la jeune fille de l'Est, victime des atrocités et de la guerre, interpelle les femmes d'autres provinces. C'était une journée très très émouvante. On a toujours fêté autrement la journée de la femme. Cette fois-ci, le mot d'ordre, non seulement pour la visibilité, mais parce que ça venait, c'était un cri du fond du cœur. Pour montrer notre douleur à toutes en tant que femmes, afin de soutenir celle de l'Est. Nous avons tant sorti avec nos salaires contribués pour que nous puissions soutenir les femmes qui sont en détresse à l'est de notre pays. Nous demandons également la femme du monde de tous ces groupes. La femme à l'est est marginalisée. La femme subit les traitements inhumains et dégradants. Et cette journée a été célébrée dans une attitude de prière et vue de compatir avec les victimes des guerres de l'Afrique du Congo. De la capitale,
la journée des droits de que ce mois de la femme en République démocratique du Congo de tristesse à cause de la guerre de l'Est. Cette guerre injustement imposée par le Rwanda avec ceux qui le soutiennent. Et c'est là que nous disons le mois de la femme, investir dans la femme pour le développement, comment cette femme violée, cette femme attristée, cette femme en déplacement avec sa famille, on va investir là où elle est en bourse, on va investir à l'hôpital où elle se trouve. C'était une journée très très émouvante, on a toujours fêté autrement la journée de la femme. Cette fois-ci, le mot d'ordre, non seulement pour la visibilité, mais parce que ça venait, c'était un cri du fond du cœur, pour montrer notre douleur à toutes en tant que femmes, afin de soutenir celle de l'Est. Nous avons tant soufflé avec nos salaires contribués pour que nous puissions soutenir les femmes qui sont en détresse à l'Est de notre pays. Et pourquoi commémorer cette journée sans penser à l'Est de notre pays? Parce qu'aujourd'hui, nous, nos sœurs sont discriminées, sont violentées, sont victimes de violences sexuelles, sont tuées. Alors, ça fait partie des violences. C'est pour cela, cette fois-ci, en ce jour, on s'est dit, nous devons la commémorer en méditation avec nos sœurs qui sont à l'Est de notre pays. Le port de la tenue, non, c'est pour dire, nous sommes tristes. Nous avons marre, ça suffit, on va dire à la communauté internationale d'avoir un œil regardant à cette situation parce que ça persiste. Et aujourd'hui on s'est dit pourquoi porter des watts, pourquoi porter des couleurs vives, et nous devons présenter à la face du monde que nous sommes tristes et cela puisse s'arrêter. Alors, je pense qu'aujourd'hui, nous devons mettre en place, c'est-à-dire une dynamique pour pousser les femmes. Parce que ce n'est pas les femmes intelligentes qui manquent au Congo. Il y a beaucoup de mots. Hein. Je viens dénoncer aussi le silence autour de ce qui se passe à l'Est. Je viens dénoncer. En tout cas, mes sœurs de l'Est, à l'Est du pays, on est de tout cœur avec vous. Et aujourd'hui, on a la compassion qui naît autour de ce qui se passe à l'Est internationalement. Toutes les femmes leaders et la République démocratique du Congo également s'engager dans cette lutte-là pour accélérer les rythmes en faveur de la femme pour l'aider à élever les niveaux. Si nous sommes en harmonie avec la réalisation, nous pouvons à présent suivre la célébration de la Journée internationale des droits de la femme dans quelques écoles de la capitale. Des foulards noirs noués sur la tête, la main sur la joue et autres gestes dénonciateurs, une manière imagée pour les élèves du lycée Pico de traduire leur solidarité envers les filles et femmes victimes de la guerre d'agression dans la partie Est en ces jours commémoratifs de la Journée internationale des droits de femmes. En ces jours où il y a des femmes de l'Est qui sont torturées, d'autres tuées, certaines même violées, nous avons décidé de faire ces gestes pour un peu soutenir ces femmes-là nous concernent. Parce qu'on en a marre de voir des photos dans les statues, des photos des gens décapités. Moi, personnellement, je suis un enfant et voir cela me dérange un peu quand je regarde les photos des papas. À côté, on voit des enfants qui pleurent, les parents par terre décédés. Et c'est vraiment touchant et ça blesse vraiment. Moi, une fois, j'ai eu à pleurer pour ça. Autre temps fort de cette journée dédiée aux femmes dans cette école conventionnée catholique, c'est la messe dite pour implorer la grâce de Dieu en faveur des populations de la partie est de la RDC. Question d'apporter une dimension spirituelle aux efforts déployés par le gouvernement pour le retour de la paix. Et cette journée est vraiment spéciale. Nous voulons prier pour la guerre qui sévit à l'est de la RDC depuis près de 3 décennies. Tout ça nous fait mal, très mal. Donc nous sommes venus implorer la grâce du Très-Haut pour que cette guerre cesse. Dans le district de la Lukunga, l'Institut John Mabudi n'était pas en reste.
Les élèves filles de cette école salutiste se sont jointes aux mamans de l'église de l'armée du salut pour prier Dieu et implorer la paix dans les zones affligées et meurtries par les atrocités de la guerre. En tant que jeunes, nous devons nous lever et nous faire entendre. Ce massacre perpétuel qui fait état des dizaines de milliers de morts doit cesser. Nous voulons retrouver la paix. Je vais dire une phrase et nous allons le répéter ensemble. Je suis jeune, je suis congolais et la situation à l'Est me concerne. À quelques kilomètres de là, près de 500 élèves de l'école primaire privée musulmane Cheikh Ahmad Ben Rachid ont été conviés à une activité parascolaire au parc de Kinshasa, une façon pour eux de célébrer la journée du 8 mars. Quelques artistes aussi ont imploré la grâce de Dieu pour le retour de la paix dans l'est du pays. Des artistes victimes des atrocités dans l'est de la RDC, commémorés dans cette messe dite en la cathédrale Notre-Dame de Fatima à la Gombe, organisée en marge de la célébration de la Journée internationale des droits de femmes, en face de l'hôtel où est prononcée l'homélie du jour, la directrice générale du Fonds de promotion culturelle Barbara Kanamoutoune, derrière, artiste, comédienne, musicien et membre de cette entreprise. Dans son homélie, l'officiant du jour qui a articulé son message sur la passion et la résurrection de Jésus-Christ exhorte l'assistance à garder leur espérance, car la RDC sortira vainqueur dans cette guerre injuste. Dans sa parole, Barbara Moutoune Kanam a plutôt parlé de la genèse de cette agression avant d'énumérer les conséquences. C'est pourquoi nous tenons à témoigner notre soutien indéfectible au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, pour son engagement à faire aller la paix dans la partie orientale de notre pays. Un cocktail a mis fin à cette célébration en mémoire de femmes victimes des atrocités dans l'est de la RDC. Pour nous, l'accompagnement des femmes au sein du service géologique est très capital. Parce que leur rapport au sein du service, nous pouvons compter beaucoup de choses qu'elles ont déjà faites pour nous. Et nous sommes très ravis de pouvoir être accompagnés par des femmes dynamiques, des femmes qui s'engagent pour le service. En cette journée de 8 mars, réservée à la lutte pour les droits de la femme, les femmes du Service géologique national du Congo se montrent déterminées à porter leur soutien à leurs semblables, victimes des affres et des guerres injustes. Les gens ont une mauvaise perception de cette journée internationale parce que souvent, on veut célébrer la maman. Mais ce n'est pas à propos de la maman, c'est à propos de la femme et de ses droits. Et pour nous qui sommes au Service géologique national du Congo, c'est très important cette journée. Ça nous permet aussi de réfléchir sur les façons dont le service peut amener à lutter pour les droits de la femme. Autre chose à présent, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est attendu ce samedi à Malabo, en Guinée équatoriale, pour participer au sommet de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement vont également prendre part à ces assises de la 24e session ordinaire de la CEAC. Sipopo, la salle de conférence au nord de Malabo, dans la commune de Banéi, en Guinée équatoriale. C'est ici que sera abritée ce samedi 9 mars la 24e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et des gouvernements de la Communauté économique des États d'Afrique centrale, CEAC. Sous la présidence de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, chef de l'État équato-guinéen, qui prendra officiellement à l'occasion de ces sommets la présidence tournante de la CEAC, le chef d'État et des gouvernements membres de cette organisation sous-régionale vont principalement échanger sur la thématique « La CEAC à la croisée de chemin vers la consolidation et la réforme pour relever le défi de l'intégration régionale en Afrique centrale ». L'objectif est de s'assurer du bon fonctionnement régulier des institutions de la dite communauté, de contrôler et de suivre la mise en œuvre de politiques ainsi que des décisions approuvées par les instances communautaires. Quelques chefs d'État sont déjà présents dans l'île capitale Malabo pour participer à ces sommets, notamment
les présidents rwandais, burundais, centrafricains et celui de Sao Tomé et Principe. Attendu à Malabo, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo prendra part à ses assises du sommet de la CEAC. Les travaux préparatoires qui faciliteront les décisions à prendre lors du sommet de ce samedi ont eu lieu. Ils ont connu la participation des différentes commissions de la CEAC, constituées de membres des gouvernements et experts des États de l'Afrique centrale. 11 pays sont membres de la CEAC, notamment la République démocratique du Congo. À présent, la lecture de quelques ordonnances signées par le président de la République. Ordonnance numéro 24/009 du 26 février 2024 portant nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo près la principauté d'Andorre. Le président de la République, vu la constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement ces articles 69, 79 alinéa 3, 81 alinéa 1er point 1 et 221. Vu la loi numéro 16/013 du 15 juillet 2016 portant statut du personnel de carrière des services publics de l'État, spécialement en ses articles 4, 5 et 19, vu l'ordonnance numéro 72-234 du 2 mai 1972 portant création du corps des diplomates de la République et intégration dans le cadre des affaires étrangères, vu telle que modifiée et complétée à ce jour l'ordonnance numéro 78-448 du 16 novembre 1978 portant règlement d'administration relatif au corps des diplomates de la République, spécialement en ses articles 1er, 23, 24 et 26, vu l'ordonnance numéro 22/002 du 7 janvier 2022 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité de collaboration entre le président de la République et le gouvernement ainsi qu'entre les membres du gouvernement spécialement en ces 45, 48 alinéa 3 et 61 alinéa 1er point 1, vu l'ordonnance numéro 22/003 du 7 janvier 2022 fixant les attributions des ministères spécialement en son article 1er B-3, vu l'ordonnance numéro 21/006 du 14 février 2021 portant nomination d'un premier ministre, vu l'ordonnance numéro 21/21012 du 12 avril 2021 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres, des vice-ministres, des ministres délégués, tels que modifiés et complétés par l'ordonnance numéro 21/030 du 23 mars 2023, vu le dossier administratif de l'agent dont le nom est repris ci-dessous, vu la nécessité et l'urgence sur proposition du gouvernement. Ordonne. Article 1er est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo près la principauté d'Andorre, M. Émile Ngoï Kasongo. Article 2, l'intéressé bénéficiera pour la durée de ses fonctions des indemnités et avantages prévus par l'ordonnance portant règlement d'administration relatif au corps des diplomates de la République. Article 3, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4, le vice-ministre, ministre des Affaires étrangères,
étrangères et francophonie est chargée de l'exécution de la présente ordonnance qui sort de ses effets à la date de sa signature, faite à Kinshasa le 26 février 2024. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Samalukonde, Premier ministre. Ordonnance numéro 24 du bar 011 du 26 février portant approbation de la convention des prêts conclus le 18 novembre 2023 entre la République démocratique du Congo et Jamcor Capital Management Limited. Le président de la République, vu la constitution telle que modifiée par la loi numéro 11-002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 69 et 79, vu l'ordonnance numéro 23-021 du 11 septembre 2023 relative à l'endettement public, spécialement en ses articles 5, 6 et 22, vu l'ordonnance numéro 22-002 du 7 janvier 2022 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement, spécialement en ses articles 19, 45, alinéa 2, 7 et 71, vu l'ordonnance numéro 22-003 du 7 janvier 2022, fixant les attributions des ministères, spécialement en son article 1er B-17, vu l'ordonnance numéro 21-006 du 14 février 2021 portant nomination d'un Premier ministre, vu l'ordonnance numéro 21-012 du 12 avril 2021 portant nomination des vice-ministres, des ministres d'État, des ministres et des ministres délégués et des vice-ministres tels que modifiés et complétés par l'ordonnance numéro 23-030 du 23 mars 2023, vu la convention de prêt conclu en date du 18 novembre 2023 entre la République démocratique du Congo et Jamcor Capital Management Limited, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du ministre des Finances, le Conseil des ministres entendu ordonne. Article 1er est approuvé la convention de prêt conclu en date du 24 novembre 2023 entre la République démocratique du Congo et Jamcor Capital Management Limited. Article 2. La présente ordonnance sort de ses effets à la date de sa signature, faite à Kinshasa le 26 février 2024. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ordonnance numéro 24-012 du 26 février 2024 portant élévation à la dignité d'ambassadeur de la République démocratique du Congo. Le président de la République, vu la constitution telle que modifiée par la loi numéro 11-002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 69, 79, alinéa 3, 81, alinéa 1.1 et 221, vu la loi numéro 16-013 du 15 juillet 2016 portant statut du personnel des carrières des services publics de l'État, spécialement en ses articles 4, 5 et 19, vu l'ordonnance numéro 72-234 du 2 mai 1972 portant création du corps des diplomates de la République et intégration dans le cadre des affaires étrangères, vu telle que modifiée et complétée à ce jour l'ordonnance numéro 78-448 du 16 septembre 1978 portant
règlement d'administration relative au corps des diplomates de la République, spécialement en ses articles 1er, 23, 24 et 26, vu l'ordonnance numéro 22/002 du 7 janvier 2022 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement, spécialement en ses articles 45, 48, alinéa 3 et 61.1, vu l'ordonnance numéro 22/003 du 7 janvier 2022 fixant les attributions des ministères, spécialement en son article 1er B-3, vu l'ordonnance 2021/006 du 14 février 2021 portant nomination d'un premier ministre, vu l'ordonnance numéro 21/0012 du 12 avril 2021 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres et des ministres délégués et des vice-ministres tels que modifiés et complétés par l'ordonnance numéro 23/030 du 23 mars 2023, vu les dossiers administratifs des agents dont les noms sont repris ci-dessus, vu la nécessité et l'urgence sur proposition du gouvernement, ordonne article 1er, sont élevés à la dignité d'ambassadeur et nommé en qualité d'ambassadeur de la République démocratique du Congo les diplomates de carrière dont les noms et matricules ci-dessus. Monsieur Abibo Lomalisa Léopold, matricule 405.684. Madame Bangoula chez Nama Solange, 405-993. Madame Bakatula Nzuzi Marie-Madeleine, 471.502. Madame Bikoko Mabunga Fifiane, 408.919. Monsieur Bokwala Bompolonga Roger, 470.223. Monsieur Kabangu Kazadi Raphaël, 571.353. Monsieur Kaoundou Mubangiza Pascal, 474.766. Monsieur Kandolo Mutoka Ignace, 489.416. Monsieur Kibondo Munganga Bertin, 474.733. Monsieur Kina Mwana Maximilien, 473.587. Monsieur Lukusa Boudiata Jean-Pierre, 473.708. Monsieur Lubingo Kojia Kasanga, 201.996. Madame Lolenyama Djeka Monique, 368.132. Monsieur Mboulaza Makuluka Franck, 463.267. Monsieur Mpaka Bin Paka Crispin, 474.737. Monsieur Mutandanzuzi Bernard, 473.543. Monsieur Onga Mvula Momba Ferdinand, 558.468. Monsieur Pelenga Mondongwa David, 474.676. Monsieur Taïkoy Dimamba Bouquer, 421.635. Monsieur Timbe Baka Nzolai Pius, 430.548. Enfin, Madame Tchala Tchichoukou Fanny, 678.535. Article 2, sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort de ses effets à la date de sa signature faite à Kinshasa le 26 février 2024. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Mesdames, Messieurs, voilà tout pour ces trois ordonnances signées par le président de la République et c'est la fin de cette édition d'information.